Nous considérons que l'agroécologie est vraiment une solution qui permet de concilier à la fois les enjeux de sécurité alimentaire, d'amélioration du revenu des producteurs et les enjeux environnementaux. Nous, on considère à l'AFD que l'agroécologie n'est pas du tout un retour en arrière, c'est plutôt une valorisation des savoir-faire locaux avec une démarche de recherche qui est essentielle puisque l'agroécologie, la transition agroécologique, nécessite une technicité environnementale très importante et la recherche peut vraiment aider à cela, à trouver des solutions adaptées au contexte des producteurs, des productrices et en fonction des territoires et des filières qui sont considérées. Cette transition agroécologique doit conduire d'une part des exploitants agricoles familiaux, des producteurs, des productrices à changer des pratiques agricoles, à modifier leurs pratiques qui nécessitent du coup de l'innovation et de tester, de pouvoir s'assurer que ces innovations, ces nouvelles techniques qui sont, comme je le disais, à haute valeur environnementale, répondent à leurs besoins. Tout d'abord, des gros enjeux sur la sécurisation du foncier pour les producteurs, pour les productrices, pour qu'ils soient en mesure d'investir sur leurs terres. Le second levier réside dans les services d'appui à l'agriculture et notamment les dispositifs de conseil agricole qui sont essentiels pour une transition agroécologique au sein des territoires.